La connaissance des pères de l'Église est essentielle dans le cadre du dialogue judéo-chrétien afin de bien comprendre leurs dires, leurs écrits, dans le contexte précis qui était le leur, 4e siècle ou 3e siècle ou 5e siècle, et qui concernait les communautés dont ils avaient la charge. Et les quelques paroles malheureuses qu'ils ont pu avoir vis-à-vis des Juifs sont à recontextualiser absolument, et surtout à ne pas transposer dans le monde d'aujourd'hui, et à comprendre d'une manière beaucoup plus souple et pas du tout dans l'émotion comme nous avons tendance. Donc il faut connaître de façon approfondie ces traditions et ces terres.